Nageo Wild. Le Moyen-Orient est l'une des premières régions au monde à avoir domestiqué les moutons. Élevés pour leur laine, leur lait et leur viande, et non pas pour leur capacité à se défendre contre les prédateurs, les animaux domestiqués peuvent être plus vulnérables. Les moutons sont surveillés par un berger, tandis qu'ils broutent dans la steppe. Il peut les guider vers de nouveaux pâturages et les protéger des prédateurs en journée. Mais à la nuit tombée, il a besoin d'une aide supplémentaire. Et pour ce faire, il a recours à l'ennemi juré du troupeau. À ce descendant du loup, domestiqué depuis plus de 10 000 ans, et qui est devenu le meilleur ami de l'homme et du mouton dans cette région. Le berger d'Anatolie. Ayant grandi parmi ces moutons et développé des liens forts avec eux, ces chiens sont acceptés au sein du troupeau. Cette intimité a donné naissance à une intuition, une capacité à comprendre le comportement et la dynamique du groupe. Ce qui, en plus de leur sens subtil, leur permet de déceler la présence de prédateurs dans l'obscurité croissante. Leurs aboiements dissuadent les prédateurs de s'approcher et préviennent le berger d'un éventuel danger. S'ils doivent en arriver là, ces chiens robustes et intrépides n'hésitent pas à donner leur vie pour protéger le troupeau. Une véritable famille pour eux. Leur collier à pointe sert à protéger leur gorge vulnérable en cas d'attaque. Il est leur unique arme supplémentaire. Au fil des générations, ce descendant du loup, autrefois un chasseur redoutable, est devenu le gardien de sa proie.